Il s'appelle ACB, entendez, ancien du collège Boboto. De partout où ils se retrouvent, ils n'oublient pas leur collège, c'est ce qu'explique leur descente sur le lieu. La dernière était purement sociologique, en marge des festivités de fin d'année. Ces ACB ont offert à leurs anciens enseignants et autres personnels des produits de terre pour manger sain. Des colis en provenance de la terre congolaise portés par des Congolais, précisément des anciens du collège Boboto. Ces produits de Bilanga, une organisation agro-pastorale dont le président et les vice-présidents sont des anciens du collège Boboto, sont distribués ces jours par l'ACB en marge des festivités de fin d'année pour dire la reconnaissance de ceux à qui le collège Boboto a tout donné en matière d'éducation. Nous voulons témoigner notre reconnaissance à travers les dons qu'on a organisés aujourd'hui. C'est en fait pour témoigner notre reconnaissance à nos encadreurs. Le recteur du collège a personnellement réceptionné ce cadeau de Noël et s'est dit fier de cette marque de gratitude des ACB. De voir que des gens qui viennent dire merci pour leur éducation, ils sont capables à travers un petit geste de manifester ce que leur cœur ressent. Les anciens collégiens ne sont pas à leur premier geste en faveur de leur école. C'est dans ce contexte que l'organisation Bilanga s'est jointe à eux. Des gestes que les ACB entendent poursuivre, voire multiplier. Non, ce n'est pas une première. Nous comptons effectivement poursuivre et multiplier des occasions comme celle-ci. Nous avons déjà eu par le passé à faire des actions ici au collège, notamment une action qui est toujours en cours maintenant qui s'appelle Boboto 2. Qui est une organisation à travers laquelle nous portons assistance médicale, donc à travers des consultations médicales chaque semaine à tous les membres du personnel du Collège Boboto. Occasion pour le recteur du Collège Boboto d'exhorter les anciens d'autres écoles à ne pas oublier leurs anciens établissements scolaires. À tous ceux qui se reconnaissent anciens élèves de l'école X ou de l'école Y, ici, c'est un modèle, à mon avis, c'est un modèle à suivre. Ils viennent de voir un geste posé par des anciens élèves et aussi son ancien élève d'une quelconque école. Pouvoir garder des liens d'amitié avec son école d'origine, c'est bien. Le geste qui paraît simple était l'expression de cœur rempli de reconnaissance des ACB. Et chez les enseignants, il y a eu une réciprocité juste. Une fierté, une marque de reconnaissance de ne pas être oublié par les anciens élèves.